bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le seul, l'unique, le grand Gaël de Toulon. Salut David, salut à tous, ça c'est une entrée de fou, c'est le dernier combat de Mike Tyson en direct, vous y êtes. Ah c'est bouillant, ça me régale, en plus on a du gameplay record hein, tout simplement. Exactement, attends Gaël, t'oublies la promotion, t'oublies tout là, tu vois, on fait le feat. Alors les gens, voilà, pour ceux qui connaissent pas Gaël, c'est un nouveau joueur de légende, il a passé les 3000 trophées très récemment, les liens de sa chaîne sont bien sûr dans la description, n'hésitez pas à checker sa chaîne, vous abonner, vous désabonner de la mienne. Non, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes, à commenter les deux chaînes, à liker les deux chaînes et à vous désabonner de toutes les autres. Tout en double. Non, non, restez abonnés à tous parce que justement, là, le but de la vidéo aujourd'hui, justement, on défie la planète YouTube. Donc, pas FR, hein. FR, c'est fini. Oui, oui, on défie. On le s'attaque monde. Au monde entier. Je rigole, bien sûr, mais c'est vrai qu'on lance un défi. On a voulu lancer du gameplay épique. Hop, je mets pense le gameplay sur pause. Voilà, t'as balancé le premier gameplay. Oui, mais je le mets sur pause. Bah, mets-le sur pause. On explique un petit peu le but, du coup, je te laisse expliquer. Je te sens chaud. Je tremble, gars, je tremble là. On défie la planète YouTube. Dans un défi hors norme, on défie les patrons, les amateurs, les nouveaux joueurs, on défie tout le monde, c'est simple, on défie tout le monde. Bien sûr, mon défi s'adresse à tous les petits kékés de YouTube, j'ai envie de dire tous les petits nouveaux, BFA, Dovahkiin, Trapa, Farce Attack, les nouveaux joueurs, j'ai envie de dire, les petits joueurs, j'espère que vous voyez cette vidéo les gars. Nous on vous défie quoi, parce qu'on pense que vous pouvez pas le faire, tout simplement. Voilà, donc le but c'est de mettre une centaine de sorcières, on pense que c'est jouable. Voilà. Donc, les princesses, bon, princesses. Princesse, pardon. Sorcière, on l'a pas encore fait, mais non, ça a été fait par Farce Attack. On l'a pas encore fait. Farce Attack l'a fait, je crois qu'il en a mis 12. Donc objectif, ça aussi, il faudra s'attaquer à ce record-là. Exactement, exactement. Et du coup, ben nous, je vais pas spoiler le résultat, on en a placé un bon paquet. Donc du coup, comment on fait pour battre ces records? On peut donner quelques indices. David, ouais. Je pense que tu seras d'accord pour dire qu'il faut qu'il y en ait un qui utilise des troupes qui tankent un maximum et qui vont que vers les défenses, donc du géant, c'est exactement, parfait. Ouais. La blouse royale, c'est primordial. Et on a oublié de préciser, mais on a fait trois records aujourd'hui. On présente trois records, deux légendaires, une troupe. Vous allez voir que effectivement, c'est des records qui sont assez lourds. Donc voilà. Mais effectivement, comme le disait Gaël, il y a effectivement des stratégies à adopter. Hein. Vous pouvez pas le faire n'importe comment, sinon ça marchera pas. Voilà, exactement. Si vous voulez être dans le Guinness Book, les mecs, exactement, ça se mérite. Hein. Parce qu'on a passé une bonne semaine à vous tourner ces trois gameplays d'exception. Alors là, déjà, les types nous chambraient dans les commentaires. Oh, les gars, les gonzes, ils sont pourris. J'en ai mis 50 au premier essai. Et bah alors? Non, on rigole bien sûr, on s'est fait ça. Bon, on a passé peut-être quelques heures, mais bon, ouais, je pense que c'est... On a passé pas mal de temps, hein. Ouais, c'est clair qu'on a mis du temps à faire ces conneries. Hein. Je pense que c'est jouable de les battre, mais là on s'est bien bien rendu fou. J'avais fait quelques petites vidéos comme ça sur ma chaîne et j'avais pas fait autant de princesses. Ouais. Je ne spoil toujours pas le résultat, mais j'avais fait moins bien. Alors là on est à 3 princesses déjà. Au calme. Donc voilà, donc c'est le record. Voilà, on a 6 extracteurs à droite. Et 4. Voilà, ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter avec 4 princesses, c'est énorme. Voilà, 4 princesses, c'est bon. On a mis une cinquième pour le fun. Une cinquième pour le fun. Donc là, voilà, la technique, hein, c'est de mettre des géants parce qu'ils ont tellement de vie que les princesses, elles peinent à les éliminer. Exactement. Donc là, ça commence à être sérieux. Il y en a, je crois, 7. 7, ouais, 7 princesses. 7 princesses. Et là, ça fait des beaux feux d'artifice. Hein. Voilà, là, je commence à me demander ce que je vais poser. J'ai les trucs qui suivent plus, par contre. Donc là, j'ai mes petits, squelettes à un poids d'élixir. Voilà, ça envoie du lourd. Ouais, alors 1, 2, 3, 4, 5... Oh là, je sais plus compter, les gens vont me voir loucher sur l'ordi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11 là, je vois. On est déjà pas à mal. À la fin, je vais stopper le gameplay, comme ça on va pouvoir les compter exactement. Oh, le feu d'artifice, on dirait le 14 voilà. Juillet quoi. Là, les flèches qui restent dans le sol, c'est génial. Ouais. Non, c'est ah, vrai ouais, que c'est magnifique. D'ailleurs, cette troupe elle déchire. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je l'ai mis dans mon deck, je l'ai débloqué. Ouais, génial. C'est lourd, hein. La princesse c'est lourd. Alors, génial. Hop. Hop. Alors, on compte. J'en compte 14, moi. Alors, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. J'en compte 15, moi. Putain. Attends, vas-y, stop à la fin. Alors, attends, non, mais là, c'est bon, là, elles vont détruire la tour, là. T'es sûr? Ouais, alors là, faut compter les 1. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouh! 15, je sais pas, tu vas plus en poser, tu penses là? Non, j'en pose plus là. Là, j'en pose plus. 15. Boum! Record à 15, princesse, bébé! Oh, c'est oui honnête. C'est honnête. T'es dans le Guinness, t'es dans le bouquin. Je te note, t'es dans le Guinness. Bah ouais, voilà. C'est validé. T'as le bouquin, hein. T'as le bouquin. J'ai le juge à côté, c'est bon, il valide le record, c'est bon, boum, ça passe. Bébé. Voilà, donc on attend vos messages, les mecs. On attend sur Twitter, Facebook, on veut des petites photos. Et gardez-nous les vidéos, bien sûr, parce que le but, c'est un petit peu de faire minimum, une... Il nous faut des photos, hein. Au minimum, les photos, qu'on puisse se dire, un tel, il a... Moi, vous me mettez plus de 15 princesses, je retweet. Voilà, exactement. Pars de suite sur notre attaque, parce que là, je suis chaud, là. Faut pas perdre de temps. Attends, Gaël, fais monter la pression, au moins, pour les... Parce que là, on part sur les... On part sur les PK. Je spoil. Oh, c'est lourd. C'est du PK. C'est du lourd. Mais, on en a mis moins que les princesses. Ah. Mais c'est des PK. Ça compte, ça, c'est pas évident. Le PK, c'est quand même violent. C'est vrai qu'à partir du moment, voilà, à partir du moment où il part sur la tour, c'est dur de le retenir. Parce c'est clair. Il a la violence en lui, quand même, le PK. Donc au début, toujours cette petite accélération, ouais, sans intérêt au début. Bon, le but, par contre, c'est de se prendre les deux. Je vous conseille de vous prendre les deux tours chacun, en général, pour faire un maximum de place sur la map. On est bien d'accord. Et après, on pose de l'extracteur à fond, extracteur miroir. Bon, Gaël, quand même, fais-nous rêver. Parle-nous de toi, parle-nous de ton adolescence, parle-nous de ta vie, où tu en es sur Clash Royale, on veut tout savoir. Ben écoute, il y a une question qui me fait pas mal rigoler, c'est les ceux qui me demandent d'où je viens. Alors que Gaël de Toulon, ça paraissait pourtant, ça paraissait quand même assez clair. Mais j'ai pas mal de mecs qui me demandent, donc je réponds, bien sûr. Faut leur dire, de Marseille. Il y a un accent, tu viens de Marseille. Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est pas loin, mais c'est... D'ailleurs, gros coucou à Dovahkiin, le Marseillais, le poteau. Toi aussi, on te défie, Dova. Voilà, Dova, mets-nous en 50. Voilà, Dova... Non, mais tu sais, Dova, en plus, c'est le pro de la putaclic, comme il dit lui-même. Hein. C'est moi, je pas... Lui, il est capable de faire une miniature avec 63 princesses dessus, quoi, tu sais... Ah ouais, non, ça serait cool d'en mettre un maximum, hein. Franchement, je pense que ça peut être assez limité d'en mettre beaucoup plus, mais... Allez, moi, je fais confiance à Dova pour battre un de ses records. Ouais, je pense qu'on va être... on va avoir de la réponse. Je pense qu'il y a du lourd, à mon avis, sur la planète YouTube. Et même les YouTubeurs, on s'en fout du nombre d'abonnés, hein. 50 abonnés, 100, 500... Ah ouais, 100... ça n'a pas d'importance. Vous nous envoyez ce que vous voulez, le but, c'est de rigoler et de faire une compile avec des records battus. Je pense que c'est impossible de les battre, hein, on va pas se mentir. Mais si jamais, n'hésitez pas. Ouais. Donc là, on arrive dans l'extra time du gameplay. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc il y a eu un petit léger bug il y a quelques secondes sur le replay, mais on a notre premier PK, notre deuxième PK qui vient d'entrer sur la map. Alors là, par contre, les géants se font déchirer à une vitesse. Ah, putain, c'est vrai que le PK, du coup... Et en c'est... plus, le PK, il est level 3, alors... Ah, ça fait mal, ouais, ça fait vraiment c'est vrai mal. C'est que le PK, c'est quand même une troupe qui est hors norme, quoi, clairement, enfin... Ah ouais, non, c'est vrai qu'en multiplayer, t'as déjà réussi à en poser plusieurs, toi, par contre. En multiplayer, j'en ai déjà posé deux sur un vrai match. Des matchs où j'avais pris vraiment l'ascendant. En fait, ce qui est pas mal, c'est quand le gars il t'envoie lui ses troupes. Si t'arrives par exemple à poser ton PK de ton côté et que t'as le temps d'en reposer un second plus tard, si t'as deux PK dans son camp, c'est la win sûre. Enfin, clairement. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé d'en mettre trois, moi. En fond de gameplay, écoute, on avait un troisième qui arrivait. Là, il y en a six. Six sur la map. Normal. Là, le cochon. Au Calmus. Le cochon peu cher. Ah là, le géant, la bouse royale. Hein. La bouse royale. Appelé comme ça par Trapa, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Ah ouais, non, c'est vraiment une troupe qui sert à rien. Je suis tombé sur un mec qui jouait par contre en légende. J'ai fait quelques attaques en légende sur... Enfin, en arena légendaire, et je suis tombé sur un mec qui le jouait. Ça devait être le seul, je pense. Ouais, c'est clair. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 PK, et on en a un qui est mal en point. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y en a un qui est quasiment mort, et tu vas réussir à en poser deux autres, à mon avis, t'en as un, on va voir ça, c'est chaud les marrons chauds. Le cochon. Il passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 PK pour le moment, et le dixième, boum ! Le dixième, la décima. Et là, la tour, elle va canner, je crois. Aïe, la tour. Elle résiste. Et voilà, Gaël. 10 PK, donc ça fait combien de dégâts à peu près au level 3 ? Je crois qu'on est pas loin des 600, je vais checker ça si tu veux, je vais checker ça directement, mais on n'est pas loin des 600 dégâts au level 3. Alors ouais, alors au level 3, je peux pas te dire parce que maintenant moi je l'ai level 6, ah ouais. Du coup. Moi je l'ai level 3 aussi, 600 dégâts x 10, wow.
au calme, tranquillement. Moi, sur la tour, alors par seconde, non, sur la tour, il fait 400. Mais sur les troupes, il fait 720. C'est pas mal, hein. Ouais, tranquille. Ça reste calme. Une troupe légère. C'est du gobelin, c'est du gobelin. Un peu plus costaud. Bon, Gaël, là, j'ai la pression qui monte, quoi. Alors, notre meilleur, on notre a gardé. Meilleur gameplay, il est là, c'est maintenant. C'est le gameplay de l'espace-temps, j'ai envie de dire. C'est le gameplay de Captain America, de Spider-Man, de Thor, de tous nos héros. On a longtemps cru que ça rentrerait pas sur la map de mettre autant de sorciers de glace, Ice Wizard. Complet. Ah ouais, c'est réalisé sans trucage. Hashtag sans trucage. Voilà, donc les mecs, là, ça part au... Ouais, ça part gentiment, ça part gentiment. Ouais, petite troupe. Les... Tu m'as quand même envoyé deux géants. Non, c'était les miens, c'était les miens. C'était déterminé, les géants. T'as vu, je les déterre, les mecs. Hein. Voilà, ça se passe. Petite cabane. Et c'est vrai que là, ce gameplay, il était incroyable. Et lui, il est magnifique. Je trouve encore plus que les princesses en termes de design. C'était vraiment impressionnant, j'ai trouvé. Enfin, c'est top. C'est ça, c'est l'âge de glace. Et... Ouais, c'est ça, c'est l'âge de glace. C'est le nouvel épisode. D'ailleurs, on sera peut-être contacté pour faire la suite. On sait jamais, on sait jamais. Ah bah écoute, j'ai déjà eu quelques demandes, mais bon, je suis trop occupé avec YouTube, tu vois, tout ça. Clairement, je suis sollicité par les plus grands, donc je peux pas m'arrêter, clairement. Bien sûr, sachez qu'on rigole, hein, bien sûr. Hein, ça, plus donc, le foot message. À haut niveau, j'étais contacté par l'équipe de France, tu vois, je leur ai dit, écoutez Didier, là, il y a Gaël, je peux pas j'ai le pas planter. Le temps, chacun ses priorités. Attends, le Guinness, ouais. On est avec les juges. Là, faut savoir que j'ai les juges, hein, j'ai les juges en direct qui valident ou pas les records. C'est ça. Donc, je crois que c'est là que ça va commencer. Voilà, là, ça commence au calme. Alors, ça a l'avantage, le sorcier de glace a l'avantage de figer un petit peu les troupes, donc il ralentit et il fait pas énormément de dégâts. Donc, je pense Claire. Que ça reste la troupe peut-être la plus simple. C'est accessible, ouais, complètement. Pour faire des records, sachant ouais. que je l'ai pas encore débloqué. Ouais. La grosse loose. Ouais, franchement, ça c'est incompréhensible. Hein. Il y en a quand on débloqué dans des coffres gratuits. Mais Farce, il me semble, qui a posté un tweet, hein, qui a eu une princesse, il me semble, dans un coffre gratuit. Ouais, carrément. Mais je crois qu'il y en a un autre. J'en ai vu tout à l'heure. Toujours hein, les mêmes. Toujours les mêmes. Aïe, 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 faut avoir de la chatte quand même. Mais moi, bon, j'ai eu dans un Super Magical Chest gratuit la princesse. Donc je vais pas me plaindre. Ça reste, ouais, ça reste vrai. Cadeau. C'est vrai. Et ça reste aussi, cadeau. Pareil, j'ai eu deux princesses dans des Magical Chests gagnées. Ah, ça c'est beau. Ou alors non, un acheté, un gagné. Revenons sur le gameplay, David. Je sens que tu t'égares. On est à combien là? Parce que t'es en train de. Tu les comptes pas et alors, je crois attends. Qu'il y en a déjà. Hop, petite pause. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, on est léger. On a commencé en douceur. Là, on j'ai a commencé mis le en douceur. Il me semble, hein. Ouais, t'as mis le 7ème. Ouais. Du coup, là... j'ai posé les cabanes de barbares, c'est pas mal. Oh, putain, j'avais pas mal d'extracteurs d'ailleurs sur ce gameplay, ouais. J'étais chaud. Clairement, bah là on était chaud bouillant, on s'était échauffé. Ouais, là ça faisait à peu près 6-7 heures qu'on se testait, on commençait, ouais. C'est vrai que. Mais non, mais je t'ai dit, Mac Tyson il a vu le gameplay, il m'a appelé, il m'a dit putain, t'as un punch mec. Je dis, écoute, c'est un truc de fou, la violence. Ah ouais. Oh là c'est. C'est dingue, là, oh, là ça commence. Là c'est génial. Oh ouais, c'est hors norme. C'est génial. On dirait qu'ils font des espèces de caméras, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a du Dragon Ball, il y a du. Putain, c'est Dragon Ball. C'est mon enfance, c'est beau. Ah oh, putain, Dragon Ball. Alors écoute, j'ai toujours autant d'extracteurs. Attends, j'ai un défi, Gaël. Dis-moi. Si on passe les 2000 likes sur cette vidéo, je fais une introduction facecam ou je fais une Kamehameha. C'est honnête, 2000 likes, ça va. Objectif 2000 likes, c'est honnête. 2000 t'as likes, un Kamehameha. D'ailleurs, t'as fait un record d'assassin sur ta vidéo de pack opening. Bon, je pense que tout le monde l'a vu. Je pourrais dire, allez la voir ceux qui n'ont pas vu, mais tout le monde l'a vu. Combien de likes, David? Je crois qu'on est à 15 000. Je crois que t'es à 17 000, mec. Je crois que je vais aller ouais, voir. C'est possible. C'est juste, c'est un record de fou. Alors, on peut plus les compter, par contre. Putain. Attends, on va y arriver. Attends. Hop. Alors, faut compter le nombre de 1, Gaël. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, t'envoies d'autres? J'envoie 17. C'est correct. 17, c'est correct. Je crois que j'en ai placé. Et... Putain, 17, c'est. Les mecs, 17, c'est beau. 17. Je pense que c'est. 17, on a placé 17 sorciers de glace, Gaël. Donc ça me paraît tout bonnement énorme. C'est le gameplay le plus réussi, je pense. Ouais, donc les clairement. Mecs, on vous défie. N'hésitez pas. Ne nous faites pas trop de la peine. Si, vous, ouais. si vous pouvez nous battre juste d'un, c'est bien. Parce qu'après, voilà. on ne veut pas se faire humilier non plus. Ouais. Plus sérieusement, voilà.
Voilà, quand je disais on défie la planète tout le monde, je pense que c'est accessible à tout le monde, on défie un petit peu tout le monde, comme disait Gaël, que ce soit petit joueur, amateur ou professionnel, le but c'est de rigoler, c'est de se marrer, c'est de faire ça dans la bonne humeur. Donc tentez avec l'expérience avec votre clan, je pense que ça peut être marrant. Ouais, exactement. N'hésitez surtout pas à nous envoyer les petits screens sur Facebook, Clair, Twitter, où ça nous fera on plaisir. ira voir les vidéos, on viendra dans votre clan, on essaiera de faire une compile. Ce serait vachement bien de faire une compile avec les trois mecs qui nous ont battus, si c'est Ouais. possible, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais, c'est possible, je pense qu'on peut carrément faire ça, ouais. Et bah, si tu dépasses les 3000 likes, on se testera d'autres troupes comme ça. Tu vois, 2000 Allez. likes, tu fais ton Kamehameha, mais moi je pense qu'à 3000 likes, on se fait. Et balancer les troupes que vous voulez, c'est cadeau, hein. On vous fait ce que vous voulez. Ça marche, ça me paraît honnête. Pas mal la vidéo, voilà, ben, je pense que c'est pas mal, on a tout dit. Eh bah ouais, on a tout dit, bah encore une fois, voilà, n'hésitez pas à checker les gameplays de Gaël, les astuces qu'il propose sur sa chaîne, hein, c'est du contenu qui est assez différent, et en même temps, il y a toujours des gameplays qui sont énormes, donc voilà. Ben, écoutez, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à aller checker ça et voilà, ben, Eh laissez des bah petits ouais. commentaires si ça vous plaît. Eh bah ouais, bah Gaël, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère, hein. J'espère aussi, mon ami, pour des Allez, ça prochains marche. records encore plus fous. Ça marche, pas de problème. Allez, salut à tous. Ciao, ciao! Salut, salut.